Je te présente le nouveau profilé de chez Bavaria, le Nomade T696D. On voit ça maintenant. Allez. Salut Cus, moi c'est Marcel, le petit Marcel pour les amis. Avant de te présenter ce véhicule, je te parle des différentes versions existantes dans le monde du motorhome. Dans les formats des véhicules, tu as le capucine, facilement reconnaissable à leur bulle, leur grosse bulle au-dessus du poste de conduite. Ce type de motorhome est plutôt prévu pour des grandes familles avec 3 ou 4 enfants par exemple. Tu as des profilés, comme celui que je vais te présenter. L'avant du véhicule, c'est celui d'un porteur. Fiat, Ford, Citroën, Mercedes, Renault, bref, tu les connais. Dans cette catégorie est apparue dernièrement une nouvelle gamme, avec des véhicules beaucoup plus étroits, des profilés plus étroits, du type fourgon. C'est vraiment le mix entre le motorhome et le fourgon. Et il y a alors le fameux format traditionnel, plus large, bien connu depuis quelques décennies, comme celui-ci. Et puis, il y a le monde des intégraux. C'est plutôt le type de véhicule que des personnes qui ont déjà eu des expériences avant finissent par acquérir, parce que c'est un confort, me semble-t-il, ultime. Dans cette vidéo, je te fais une courte présentation du nouveau Bavaria Nomade T696 ou 796, je ne sais plus. Cela va te permettre ainsi de te faire une première idée de ce véhicule. Quant à la visite complète de ce véhicule, qui est forcément plus longue, elle te sera proposée dans l'écran de fin de cette vidéo, évidemment dès qu'elle sera disponible. Une importante information, cette vidéo fait partie de la playlist dédiée au camping. Mais il y a 6 autres playlists, telles que mes réactions à chaud, le coin de philo et bien d'autres encore. Je t'explique tout cela dans la vidéo qui se trouve en haut à droite de cet écran. Autre chose, si tu es intéressé de découvrir une marque ou un modèle spécifique, mets-le en commentaire. J'essaierai de trouver ce petit bijou pour te le présenter. Et mets un petit pouce, allez, juste pour m'encourager. C'est gentil, merci. Bon, commençons par le tour de l'extérieur. Donc tu vois, comme sur le modèle van, forcément, c'est un modèle 2022 qui reprend la différence de ton entre le 2021 et 2022. Ici, tu es sur du noir mat, alors qu'avant, c'était du noir brillant comme cela. C'est le porteur Fiat, hein, forcément. En dessous, là, tu avais la ligne tout en bas qui était dans la couleur noir brillant. Aujourd'hui, elle est blanche. Tu as aussi des phares anti-brouillard. C'est quand même pas mal, bien équipé. Hein. Quand tu verras le prix, c'est vraiment très intéressant. On voit une antenne, ben, ça trahit forcément que dans cette série spéciale, le multimédia y compris. Tu vois, c'est un nouveau porteur Fiat, nouveau moteur 140 chevaux de 8.3. C'est, comme je te le disais, le T696 Nomade, série spéciale. Tu as des jantes 16 pouces avec des pneus Michelin 4 saisons. Tu as, je te fais vite l'intérieur, mais tu le verras beaucoup plus en détail dans la version longue de cette vidéo. Ici, c'est l'électricité. Tu vois. Tu as vraiment des profilés de qualité, tu le vois. Alors, ce qui est très bien, mais j'y reviendrai plus longuement dans la version longue, c'est qu'ils n'ont pas mis une fenêtre qui s'ouvre. Parce que sinon, ça se voit souvent, quand tu ouvres ta porte, tu casses ta fenêtre. Alors, une spécificité à Bavaria, et à Pilote, hein, parce que c'est les mêmes, c'est un aimant. C'est pas les fameux les fameux cliquets qu'on connaît, quoi, et qui s'abîment. C'est pas mal. C'est une porte XXL. Tu as, bah, quand tu vois ça, c'est un grand frigo, tu vois que tu as les caches divers qui sont remis dedans. Tu as une marche rétractable électriquement. Je te montrerai aussi dans la prochaine, dans la version longue de cette vidéo, l'évolution sur les ouvertures. Tu vois, c'est quand même, c'est un véhicule très spécial, mais il est vraiment bien agencé. Tu vas voir, je te montrerai de l'intérieur. Tu as une petite porte de ce côté-là. Je te montre l'extérieur, l'arrière. C'est un véhicule 2022 qui vient de rentrer. Tu as là au-dessus, tu as la caméra
Hein, alors, tu peux voir, c'est tout tout petit, mais quand tu regardes à la caméra, tu vois vraiment de très loin et jusqu'au, excuse-moi de le dire, mais au cul de ton motorhome, de ton camping-car. Ah, le design est fort classique de chez Bavaria ou de chez Pilote, hein, c'est le même. Voilà. Voilà, ça c'est le côté de l'autre côté. Tu vois. Si tu pars en sport d'hiver, tu peux mettre tes skis sans problème. Tu as derrière ces portes qui s'ouvrent, que je te montrerai de l'intérieur, tu as encore des petites étagères pour mettre des branles. Tu as là au-dessus. Pour faire une tablette, si tu n'as pas besoin de hauteur. Ils ont vraiment bien pensé ce véhicule. Alors tu n'as peut-être pas des rainures tout au long comme on voit dans d'autres modèles, mais tu as quand même de quoi attacher tes sangles. Ah, il est vraiment pas mal. Toujours sur des baies affleurantes. C'est le bas de caisse est en alu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des fenêtres profilées avec des cliquets. Tu vois que c'est un Truma au gaz, hein, parce que sinon, si c'est un qui puise dans le carburant, ben, ça sort par en dessous. Ici, c'est dans cette série spéciale, hein, tu as ce coffre que tu peux mettre jusqu'à 70 kg de matériel dedans. Et il est vraiment, moi, quand je les voyais sur les images, sur les vidéos, sur les autres vidéos, je me disais toujours ça me semble léger, mais quand tu prends, tu vois que c'est vraiment du costaud, c'est vraiment très épais. Je ne sais pas si tu vois l'épaisseur, mais c'est vraiment pas mal. Mais je détaillerai ça plus loin. Là, c'est le coffre à gaz, mais on en parlera encore tout à l'heure. Tu as la place pour deux gaz. Voilà, ça, c'est, tu auras eu l'occasion de voir l'intérieur. On va te montrer vite fait le nouveau tableau de bord que je vais t'allumer, comme ça tu vas voir. Alors, rentrons vite dans ce véhicule. Je vais commencer d'abord par te montrer l'avant rapidement. Tu as une très grande table. Alors tu verras, on sait la descente pour faire un grand lit, mais la spécificité c'est qu'elle a deux pieds, donc ça rend cette table beaucoup plus stable que ce qu'on peut connaître en général. C'est une table portefeuille, donc tu vois, tu peux même déjà l'utiliser comme ça. Cockpit, je vais mettre le contact. Voilà, le bip bip que tu entends, c'est parce qu'il y avait la marche à l'extérieur qui était ouverte, donc elle est rentrée. Tu vois, c'est le tout nouveau tableau de bord, hein, que je t'ai déjà montré dans le van, hein. Je reviendrai dessus, mais tu as quand même déjà l'airco manuel, tu as un multimédia avec l'app CarPlay, donc ça te permet de connecter ton smartphone dessus, parce que tu n'as pas de base, tu peux l'acheter en option, le navigateur. Mais si tu as un navigateur sur ton téléphone, tu n'en as pas besoin. Voilà, tu vois les portes, elles ont été retravaillées, c'est très intéressant. Je te montrerai dans la vidéo plus longue les améliorations importantes. Le souci du détail, tu vois de nouveau dans cette série spéciale du tapis qui est prévu dessus. Et là, tu as des bouches d'aération. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Tu as de part et d'autre. Tu as un immense salon. Tu vois, un immense salon avec les sièges face route des deux côtés, je te le montrerai aussi. Tu as le fameux lit que je te descendrai pour te présenter. Voilà, tu vois, les lampes s'éteignent directement que ça monte. Au-dessus, tu vois que tu as du luminaire aussi. Alors, une spécificité, c'est il faut savoir qu'en descendant la table, tu peux avoir un lit qui se fait en dessous pour deux personnes, plus celui-là que tu peux encore descendre, et tu as vraiment quatre personnes sans problème pour pouvoir te coucher. Avec le problème qu'il y a toujours avec les profilés, c'est que quand tu as un lit comme ceci, quand quelqu'un dort, tu ne sais rien faire, quoi. Ben ici, si, tu as quand même, je vais te le montrer, là, le côté de la cuisine, donc ça c'est
c'est quand même bien, mais voilà, c'est pas t'asseoir dans le lit, dans les sièges comme dans un intégral, ce qui est la force de l'intégral évidemment. Mais on sait que dans les motorhomes, il y a toujours une histoire de parti pris, que tu as en plus d'un côté, tu l'as en moins de l'autre. Donc tu vois, il y a vraiment beaucoup de place. Je te montrerai après comment faire le lit. Le modèle de siège, c'est je pense que c'est comme pour dans le van de ce qu'ils appellent de l'éco-cuir. Et alors une partie en tissu. Bon, on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve d'autres mieux. Alors, quelque chose qui est génial chez Bavaria, c'est vraiment leur design, quoi. Et alors la solidité, parce qu'il faut quand même savoir que ça, c'est du métal, quoi. C'est vraiment, et de nouveau comme dans le fourgon, c'est tout des tiroirs. C'est vraiment super génial, quoi. Il y a des tiroirs partout. Vraiment, c'est vraiment génial. Voilà. Là, t'as encore une place là. T'as une crédence partout. T'as une prise 220 volts, 12 volts, les 5. Ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est des stores et des moustiquaires qui s'arrêtent où tu veux. C'est vraiment pas mal. Tu as trois becs en long. C'est plus intéressant que quand ils sont en L. Tu as un grand bac dessus. Il est génial. Alors, le problème avec les profilés, je le souligne, c'est que tu as une marge devant. L'intégrale, non seulement tu n'as pas le lit Coxa, ça fait que le lit est devant le cockpit et donc tu as vraiment l'espace qui est utilisable même quand les gens dorment et tu n'as pas de marge. Voilà, ça c'est quelque chose de différent. Alors on passe sur ce côté ici, là c'est la tablette tellement décriée mais qui visiblement ils ont remis au point. C'est une version 3 simplifiée qui fonctionne bien. Avant tu avais tout ce qui était chauffage qui était mis dessus, maintenant ils ont scindé les deux et maintenant tu retrouves les fonctions tout à fait ordinaires, la pompe à eau, l'éclairage auxiliaire, les eaux propres, l'eau grise, tu as un panneau solaire, tu vois. Enfin voilà, tu as tout ce qu'il faut. Tu as pour mettre ta TV. Donc c'est un nouveau frigo Trimix, hein, nouveau design. Hein, je ne sais pas combien de litres. Bah, il est quand même pas mal, il est assez profond. À mon avis, ça doit être 140 litres, quelque chose comme ça. Tu as au-dessus une armoire. Bon, je dois quand même reconnaître que le côté menuiserie, ça me laisse un petit peu sur ma faim. Sinon tu as le Truma, donc le chauffage qui est ici, il n'est pas branché. Il faut savoir que ce véhicule, comme le van que je t'ai présenté dans la vidéo d'avant, ils sont rentrés aujourd'hui. Hein. Tu as l'INET qui est prêt pour l'INET, mais il n'est pas dessus, je te montrerai, pour le lit, tout ce qui est au niveau du multimédia. Et puis alors, un immense espace salle de bain, quoi. Vraiment, c'est extraordinaire. Tu as une douche, tu as une douche digne de la maison, quoi. Vraiment, d'une profondeur. Si tu regardes, tu as la toilette là-bas, une belle grande toilette. Vraiment, waouh, tu as de l'espace, quoi. Alors, je te dis pas tout le rangement que tu as là. Tu as encore tous les tiroirs. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire, quoi. Tu as vraiment énormément de place. Mais on rentrera plus dans les détails. Là, c'est pour rentrer dans la soute. Il y a juste une chose que j'ai oublié de te dire. Bon, tu sais qu'il y a des problèmes d'approvisionnement pour beaucoup de choses pour le moment. Et donc, ici, tu ne vois pas de store Rémi. C'est comme dans le van. Mais en réalité, ils seront mis. C'est parce qu'ils ne savaient pas livrer le véhicule s'ils les attendaient. Donc, ils ont préféré les livrer et les faire mettre après. Alors ça, c'est de nouveau, hein, ce nouveau qui n'est pas ouvrable. Bon. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, hein, de nouveau un choix. Tu as plein d'espace qui pallie le fait que dans les Fiat, tu n'as pas comme dans les Ford, plein d'espace pour ranger les papiers. Tu as la vanne d'eau. Enfin, je rentrerai dans les détails un peu plus. Là, c'était vraiment pour te montrer, te faire le grand tour de ce véhicule qui est vraiment exclusif, j'ai envie de dire, et vraiment magnifique avec cette salle de bain immense. Tiens, à propos, es-tu abonné? Non? Pas encore? Eh bien, c'est le moment de le faire, c'est le moment, c'est l'instant.
et active la clochette pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Oui, tu es déjà abonné ? Mille merci, c'est super gentil. C'est peut-être un petit geste gratuit pour toi, mais sache que c'est une grande aide pour moi. Alors, le prix de ce véhicule tourne près des 70 000 euros. Juste un chouïa en dessous. Mais ce véhicule, comme tu l'as vu dans cette présentation rapide, est assez complet, y compris la TV. Enfin, vraiment, je ne sais pas ce que tu peux rajouter, si ce n'est peut-être une boîte automatique ou peut-être passer sur un 160 chevaux, qui ne serait nécessaire que si tu avais une remorque, parce que sinon, un 140 chevaux est largement suffisant pour ce profiler qui, je le répète, ne fait jamais que 6 mètres. Mon opinion sur ce véhicule, bah, il est chouette. Il y a des petits points que je trouve qui mériteraient d'avoir un peu plus d'attention. Mais globalement, pour ce prix-là, équipé comme il est, avec le confort qu'il a, avec l'exclusivité en termes de design, franchement, c'est vraiment bien. Je t'invite peut-être à aller le découvrir pour te faire ta propre opinion toi-même. Mais pour moi, franchement, c'est chouette. Alors avant de te quitter, sache qu'au programme de cette playlist qui est dédiée au camping-car, en plus de la présentation de nouveaux modèles tels que, par exemple, les vannes de haut de gamme de chez Autostar et de chez Mobile Veta ou encore Euramobile, je te proposerai des tutos sur, par exemple, un premier achat, sur des conseils d'utilisation, sur la préparation de ton véhicule selon que tu partes au sport d'hiver ou à la mer, sur les points d'attention à apporter lors d'un achat de véhicule d'occasion. Je te ferai également découvrir une nouvelle concession belge et j'interviewerai le patron pour connaître ses objectifs, mais aussi les challenges qu'il doit relever ou encore quel est l'intérêt d'une énième concession. Tout cela et bien d'autres choses encore. Voilà, c'est ici que je t'invite à choisir entre les deux vidéos qui te sont proposées et de te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao ciao et à bientôt !